tous et Argitech, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des AirPods Pro. Ces nouveaux AirPods Pro amènent plusieurs gros nouveautés par rapport aux AirPods précédents, comme la nouveauté la réduction de bruit active et les bouts en caoutchouc. La boîte, comme d'habitude, elle est sobre avec le produit, les AirPods Pro. Ensuite, l'écouter, il y a les informations sur les AirPods compatibles, enfin les informations sur les AirPods. Ensuite, de l'autre côté, il y a toujours les logos Apple. Ensuite, de l'autre côté, il y a le nom du produit, les AirPods Pro Wireless Charging Case. Ça veut dire qu'ils sont compatibles sans fil pour les charger. Pas besoin de mettre le fil, par exemple, pour charger, se charge sans fil. Ensuite, sur le côté, il y a le logo Apple. Dessous des AirPods, il y a les AirPods Pro avec les informations. Quand on ouvre la boîte, il y a la petite pochette avec les informations sur ces AirPods Pro. Il y a les AirPods Pro, ensuite, je ne sais pas s'il y a les autocollants Apple, mais je pense pas que ça pourrait être très grave. Ensuite, il y a des informations sur les AirPods Pro. Et si on continue, il y a ces AirPods Pro. Ensuite, en dessous des AirPods Pro, il y a le chargeur, il y a le câble pour charger, le lighting vers le type C. Du coup, c'est pas vers le USB. Ensuite, au fond de la boîte, il y a différentes tailles pour mettre sur les AirPods. Il y a différents bouts et de taille pour mettre au fond des oreilles avec les écouteurs. Il y a du small, medium, large. Je crois sur les écouteurs c'est du small. La différence c'est les côtés des AirPods Pro. Il y a un côté plat et ça sert surtout à mettre pause et passer la musique. Et la nouveauté pour activer la réduction de bruit et le mode transparence qui permettra d'avoir la musique en même temps le bruit extérieur. Quand on ouvre les AirPods, il y a le petit widget qui se lève sur l'iPhone pour dire que les AirPods se connectent entre l'iPhone et les écouteurs. Ensuite, il y a des petits messages pour se connecter. Ils disent tous les nouveautés et aussi que Siri va lire les messages et envoyer, que Siri va nous transmettre les messages envoyés par la personne et nous pourrons aussi répondre avec. Ensuite, le changement sur ses écouteurs. Le changement sur ses écouteurs, on pourra taper les écouteurs pour mettre pause ou remettre la lecture de musique, mais il a été remplacé par un clic. On appuie sur le bout pour mettre la musique, ensuite pour mettre pause ou pour activer la réduction. Le premier clic c'est pour activer la musique, le deuxième clic c'est pour changer la musique et le troisième clic ça revient en arrière, que ça soit des deux côtés. Et si on appuie longtemps dessus, on va passer aux différents modes. Le positif sur les AirPods c'est la batterie 5 heures d'écoute que Apple annonce, enfin 4h30. Ça tient largement 5 heures. Le point positif, c'est avec la batterie 4h30 d'écoute, même 5 heures. Apple a annoncé 4h30, tient même largement plus que 4h30. Et la boîte qui va l'aider à tenir plus longtemps avec 24 heures de charge de plus. Et pour 5 minutes de charge, on aura droit à 30 minutes de musique en plus. Ces AirPods Pro commencent au prix de 259 €. Le prix est cher, peut-être pas, ça dépend des personnes. Je pense pour moi il est justifié car la qualité son, rien à dire. Et surtout la réduction de bruit, mais c'est juste vraiment, mais ça marche vraiment bien. Surtout avec la qualité de la musique, c'est juste impressionnant. Et aussi quand on ouvre, ça se connecte directement à l'iPhone. Et c'est un truc qui va tellement vite pour se connecter, c'est juste magnifique. Sont malheureusement pas résistants à l'eau, ils sont résistants à la transpiration et ils sont IPX4. Les écouteurs captent 200 fois par seconde pour capter le bruit ambiant, ensuite pour l'annuler. Les écouteurs captent 200 fois pour
capter la musique ambiante et pour l'annuler, pour faire en sorte d'avoir le meilleur son dans l'oreille. Il y a les micros à l'extérieur et à l'intérieur des écouteurs. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ces AirPods Pro vous aura plu. Et ces AirPods Pro commencent au prix de 259€. N'hésitez pas à écrire en commentaire si les AirPods Pro vous intéressent ou vous avez des questions. Je répondrai en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Bye bye tout le monde, c'était RGTech.